car je fais partie de cette diaspora de cette jeunesse qui a quitté le pays pour faire recette. Mais je m'en rends compte qu'on est trop con, qu'on gâche nos vies et que l'Europe devient notre con. Ok, bonjour. Donc, on m'a dit que vous étiez l'un des pères fondateurs du mouvement hip-hop ici en Centrafrique. Voilà. Ok, merci Gaël. Je suis enchanté de te connaître d'abord. Mon nom c'est Bassé Freddy, le nom familial. Et mon nom du hip-hop c'est Galère Suprême. Là, je viens du quartier Castor et c'est depuis l'année 82 que je fais du hip-hop. Ok. Donc j'ai commencé avec un groupe que vous connaissez bien en France qui s'appelle les Amis des NTM. J'ai connu le secteur 500-520 qui sont venus à Bangui, je crois qu'il y a l'Alliance française. C'était l'ex-Alliance française, le centre culturel français. J'ai découvert le hip-hop à travers les graffitis d'abord. D'accord. Et après je me suis lancé dans le rap ensuite. D'accord, donc vous avez été graffeur à un moment donné. Ouais. Ok. Et il y a toujours des graffeurs ici à Bangui ou... J'en connais trois. Il y a un qui s'appelle La Voûtée, il y a un qui s'appelle Storch, il y a un qui s'appelle Moses. Mais le Moses, il n'y est plus, il est parti en France. D'accord. Pour vous, c'est quoi un petit peu l'état des lieux du mouvement hip-hop aujourd'hui? Comment vous considérez ça? L'état des lieux, il s'est un peu détérioré, beaucoup même. Parce qu'en fait, beaucoup de jeunes s'y donnent d'une façon business, d'accord, pas de façon consciencieuse. Moi, je suis venu ici dans le cadre du Printemps des Poètes pour faire découvrir la discipline du slam. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça représente un petit peu pour vous, le slam. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de l'intégrer au mouvement hip-hop? Ouais, c'est excessivement une bonne chose parce qu'en fait, ça va plus conscientiser la jeunesse à pouvoir avoir d'abord la conscience du hip-hop même. D'accord. Et que de sortir de leur milieu et de pouvoir comprendre que ce n'est pas seulement les mots, mais c'est aussi l'état d'âme. D'accord. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne rappe pas seulement avec les mots, c'est de transmettre un message qui vient de l'âme. C'est-à-dire ouais. que ça va permettre aux jeunes de pouvoir mieux maîtriser ouais. leur façon de parler et d'écrire pour pouvoir avoir plus d'objectifs. D'accord. Ouais. C'est vraiment important que tu sois venu, franchement. Ça Merci. Me permet d'aller un peu plus loin dans le mouvement hip-hop. Quoi. D'accord. Alors, me voilà dans Bangui avec Marie, la meilleure chanteuse du pays. Donc je suis sûr que vous n'allez pas me croire, mais petite démonstration. Je vais vous raconter l'histoire. D'une fille dont le cœur est noir, qui a grandi dans la crainte et le doute, la peur et le mensonge. C'est peut-être votre cas, parce qu'on ne le vit qu'une fois, et rarement on a envie d'en parler, on préfère oublier. Et même si dans ton cœur c'est fini, et même si tout le monde est parti, regarde autour de toi et lève les yeux vers le ciel. Une étoile brillera pour toi. Voilà, et en plus, voilà, là vous m'avez compris, mais en plus, c'est elle qui a écrit ça, qui a composé ça. Donc attention, ça va faire mal quand elle va sortir son album. Attention, attention. Ciao. Tu fais partie d'un groupe? Ouais, je fais partie d'un groupe. Qui s'appelle? MN Cadence. Et vous? MN Cadence, c'est moi seulement avec ma copine, on est deux. Menga yeke kete wa sobe kotangonara lozi mona kwa lotumba mona dati koli teneti kambi na zunga lundu na menga menga yeke sioni sioni yeye hoi tati.
désolé parce qu'il y a la pluie, ben, on va pas donner du, au fait, de la soirée quoi. Donc, ça c'est une heure avant le spectacle. Ben, bien sûr, ben, si et seulement si la pluie termine à temps. Vous voyez ce qui se passe dehors ou pas? Ouais, il y a faute. Non, c'est la bénédiction là. Parce que ça, ça c'est le chaud. Si t'es arrivé comme tu étais aussi monté. Ils sont plus que ça. Ils sont plus que ça. Pas les pistons. Que cette pluie s'arrête. Et puis on fait un putain de show. C'est tout. Et là, il est 5h30. Normalement, on aurait dû commencer le spectacle dans une heure, mais il y a la pluie. Et j'étais sur la scène et il y avait du vent grave. Je me suis rangé un truc ici. Là. Une balafre. Zoom. Tu vois ça? Je vois. Ça, c'est la pluie. Elle a voulu me faire mal. Mais je sais que même si je suis pas là, vous allez faire du slam. Sur ces fossoyeurs de la République qui roulent des fumeurs d'ifs vitres fumées. Ils bouffent et oublient le peuple qu'ils ont fait roi. Si j'étais un pétafoudre, j'allais les écrabouiller pour que nos pays ruissellent les effluves argentées de bonheur. Pour qu'on s'abreuve avec boulimie de la couleur or de l'abondance et que la belle vie essaime la joie aux ailes d'Albatros. Reviens sur tes pas, l'Afrique a besoin de toi. Assez. J'en ai marre de vivre tous les jours les mêmes cauchemars. Nos hommes politiques nous emmènent souvent la même haine sur la scène. Et cela nous gêne car nous ne sommes pas les chiens. J'assure sur cette thèse et je baise ma synthèse. I see a high flying bird flying way up on in the sky. And I wonder if she sees me as she flies on by. From the east and to the west, she meets God every day. Got to sit down and cry, oh Lord, I'm gonna die blue. Got to sit down and cry, oh Lord, I'm gonna die blue.